T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Le défi fallait pas demander avec nos invités ce soir, Tony et Smaïl de la Villa des Cœurs Brisés et Cyril qui nous appelle de Châteauroux, il a 16 ans. Salut Cyril. Ouais, salut tout le monde. Salut. Cyril. Ah, t'as une super idée, franchement Cyril, qu'est-ce que tu veux exactement? Vas-y, dis-nous. Alors moi j'aimerais en fait gagner le drone, mais que à la place on fasse le défi fallait pas demander en fait à ma place. D'accord, donc c'est Tony qui va le faire à ta place. Voilà, c'est ça. Donc là Tony, grosse pression, faut que t'assures. Ah mais là je vais assurer à 100%, t'es pas alors, prêt. Pour ceux qui découvrent l'émission, je rappelle, le but du jeu, c'est d'énerver la personne qu'on appelle. Généralement, c'est mieux quand on appelle quelqu'un de sa famille, comme ça on est sûr que la personne ne va pas raccrocher. Et faut lui faire croire un délire. Qui tu vas appeler? Et moi, je vais appeler mon cousin. Il s'appelle comment ton cousin? David, il s'appelle. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas lui faire croire? Enfin, c'est quoi la question que tu vas lui poser? Je vais lui poser si la famille c'est plus important que les filles ou pas, parce que je vais dire que j'ai baisé sa femme en fait. Il est cash, c'est bien. Il dit les choses, on y va. Donc tu vas faire croire à ton cousin que tu t'es tapé sa femme. Ouais, carrément. Ouais. D'accord. Ça te va, Cyril? Il est choqué. Oui. Il est choqué. Ça te va comme défi? Ouais. On y va, c'est parti. Allô? Ouais, David? Ouais. Ouais, c'est Tony. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, fatigué, mais ça va. Bon, cool. J'ai une petite question pour toi. Du coup, en fait, j'étais en train de penser, là, tu vois. Je suis dans mon lit, je me demandais, la famille, c'est plus important que les filles, pour toi? Ouais, bien sûr. La famille passe avant tout. Ouais. Non, parce qu'en fait, il fallait que je te dise un truc, c'est que j'ai couché avec Julie l'an dernier, quand c'était juste ta pote. C'est la blague de la Saint-Valentin ou quoi? Bah ouais, je sais pas si c'est une blague, mais en fait, j'ai juste niqué avec ta meuf, quoi. T'es sérieux, Tony? Bah ouais, après, enfin tu sais, je sais pas si tu te rappelles, c'était la soirée en boîte pour ton anniv, et puis bah le lendemain, enfin, je l'ai baisé, quoi. Ouais, je m'en souviens très bien, t'attends. Tu me fais quoi, Tony, là? Mais attends, elle est douce. Elle est trop douce, ta meuf, mais fallait que je te le dise, en fait. Non mais t'es sérieux toi? T'as baisé avec ma femme? Bah ouais, mais bon, enfin, qu'est-ce que tu veux aussi? Elle m'a fait des avances et tout. Non, ça va pas le faire par contre. Ça va pas le faire. Pourquoi ça va pas le faire? Non mais t'es sérieux? T'as ce que tu me dis ou quoi? Mais faut t'avouer à moitié pardonner. Non, c'est pas pardonner ça, oh, c'est ma femme. Mais non, t'as baisé avec ma femme. En plus, ça m'a fait des avances depuis hier, enfin. Voilà, hier, elle m'a fait des petites avances et tout. C'est pour ça que j'ai repensé à ça et aujourd'hui, je voulais t'appeler et tout. Je voulais savoir si je pouvais recoucher avec elle. Tout, elle te fait des avances. Mais t'inquiète pas, elle supprime les messages, tu vois pas grand chose. Non, mais t'es sérieux, toi? Elle criait comme je sais pas quoi, je peux te dire que t'es un petit joueur, mon gars, à côté. Mais enfin, voilà, fallait que je te le dise. Pourquoi tu fais ton beau? Bah non, mais voilà, enfin. Le gars, il passe deux fois à la télé, il fait son beau. Non, mais d'où tu fais ton beau, toi? Je fais mon beau, voilà, mais parce qu'en même temps, elle fait des super clips, c'est compliqué, enfin, c'est compliqué de pas te l'admettre et de pas te le dire, fallait que je me confie à toi, en fait. Je vais t'enculer, gars. Bah non, c'est plutôt moi qui encule ta femme. Enfin, qui l'ai enculé, mais ça va peut-être pas tarder à recommencer, hein. Non, mais, t'es sérieux, toi? Tu m'appelles, tu me dis que t'as niqué ma femme en boîte de nuit. La famille, c'est la famille, Dieu l'a dit, faut partager aussi. Le temps à Saint-Valentin? Bah oui, mais c'est le jour de Saint-Valentin, il n'y a pas de jour pour niquer ta femme. Eh, mais je vais te casser ta gueule, Tony. Non, je vais te casser ta gueule de dingue. Je te jure, je vais te casser ta petite gueule de merde. Non, mais David, attends, sois poli, s'il te plaît. Quoi, David, sois poli? Non, mais t'es sérieux ou quoi? Bah, je vais être poli avec toi, là. Mais sois poli, David, s'il te plaît. Non, je vais pas être poli du tout, mais t'as cru quoi, toi? Toi, t'as cru quoi? On peut partager le gars, ta femme. Non, tu fais garde alternée, si tu veux. Non, mais t'es vraiment sérieux, Tony, là, dans ce que tu dis? Eh hey Tony, t'as ton pote là, dis-lui que moi aussi je suis chaud pour la faire tourner. Ta gueule toi derrière. Ah ouais, j'ai mon pote avec moi, il est archi chaud. Il a dit vas-y, une petite doubletta, on se la fait à deux celle-là. Oh, les gars, je vous jure, mais je vais vous niquer. Tout ce temps que vous êtes, je vais vous niquer. Mais viens, on la nique à trois même, si tu veux. Mais t'es sérieux toi? Mais vas-y, sois doux. Mais je vais venir te niquer toi par contre. Toi par contre, je vais venir te niquer. Je vais même te casser ta petite gueule de métec. Si, je te jure, je vais te casser ta gueule. Allô Tony? Allô David? T'es qui toi? Salut, moi je suis un pote à Tony moi. Mais je m'en bats les couilles. D'accord, il paraît que ta meuf est super chaude et tout. Et ta mère elle est chaude? Ouais, pas mal aussi ouais. Ouais, ben je vais aller la niquer ta mère pour savoir si elle est chaude. Ok, bon je pense que mission... Ferme bien ta gueule, toi.
Je pense que le défi est réussi, on peut applaudir. Bravo. Bravo, David. Elle est c'est pas qui content, cousin. Qui rigole, là. David, t'es en direct sur Fan Radio, tu viens de te faire piéger par ton pote Tony. Bah, ton cousin. Oh putain. Ouais. Dans toute la France, en ce moment sur Fan Radio, Tony qui a fait le défi, fallait pas demander à son cousin en lui faisant croire. Et bon, t'as été chaud là, hein, quand même, ça Tony. T'a plu ? Ah ouais, ça m'a bien plu, ouais. T'es allé au bout des choses. Hein. J'ai toujours au bout, moi. Avec le cousin, on a tendance à bien se lâcher, hein, j'ai l'impression. Ouais. Hein, parce que là, David, tu t'en es quand même pris plein la gueule. Hein. Ouais, mais on rigole pas avec ma femme. Hein. Et bah, il a jamais rien fait avec ta femme. Ouais, enfin, on l'a presque cru quand même. Hein. Ouais. C'est pas trop. Passe le bonjour à tonton d'ailleurs. Hein. Passe le bonjour. Attention à toi, Tony, quand même. La bonne nouvelle, c'est pour Cyril, puisque je rappelle que Tony jouait pour Cyril. Cyril ? Ouais. Cyril, le drone, il est pour toi, c'est gagné, bravo. Oh putain, merci, c'est génial. Bravo, bravo, bravo. Et bah écoute, on va t'envoyer tout ça, mon Cyril, tu vas pas raccrocher, d'accord ? D'accord, ça marche, merci beaucoup, Tony. Ouais, je t'en prie, c'est moi. David ! C'est à moi surtout. David, on embrasse très fort ta femme. Ah oui. Hein ? Ouais, mais je crois qu'elle vous fait des gros pas. Bisous partout. Ah. Mais qui continue, tu sais. Ouais, le mec s'arrête plus. On te fait une grosse bise. Salut à toi. Ciao, ciao. Merci. Retrouvez Love in Fun sur Facebook, Instagram, funradio.fr et sur Twitter avec le hashtag Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio.